Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères bien-aimés, nous vous disons merci de votre fidélité à cette émission Écoutons le Pasteur. Écoutons le Pasteur aujourd'hui, nous recevons bien sûr le Pasteur Barout qui revient d'un voyage, un périple héros américain, un périple glorieux et il est au milieu de nous. Nous pensons que vous serez bénis, soyez branchés et ce sera très très bien. Pasteur, Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse aussi, frère Jabak. Nous sommes heureux de vous accueillir maintenant que vous êtes rentré. Vous êtes encore tout frais. Vous sentez la fraîcheur de l'étranger. Et nous voulons recueillir le produit de votre voyage. Nous avons vu les images, mais à vous voir en live, je crois que c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Vous vous sentez en forme, pasteur? Je suis en forme. Le décalage Ça va. Ah, ok. Pasteur, nous allons commencer par une actualité avant d'entrer, parce que nous allons parler de l'évangélisation, comme je l'ai dit. Oui. L'actualité, c'est la prédication que vous avez donnée dans votre église, un serment intitulé « Le respect ». Ouais. Et dans ce serment-là, vous avez parlé des gens qui doivent respecter les autorités du pays, notamment, disons, le président de la République et les autres politiciens. Vous êtes un serviteur de Dieu. Alors, les gens ont pris ce que vous avez dit, peut-être parce que vous avez cité les noms du président de la République, et vous colle cette étiquette d'être partisan. Vous avez un parti pris. Quelle est votre réaction aujourd'hui? Je dirais ceci. J'ai parlé du respect, pas seulement aux autorités du pays, même aux serviteurs de Dieu. Que ce soit un prêtre catholique, un prêtre protestant, tout serviteur de Dieu, vous lui devez du respect. J'ai dit aussi, vous devez respecter les parents. Et ils n'ont vu que ça. Nous devons respecter l'autorité établie dans notre pays. Parce que la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Et la Bible nous dit de prier pour les autorités. Est-ce que c'est mauvais? Vous critiquez l'autorité et vous voulez partir au ciel. Quand est-ce que vous viendrez lui demander pardon? Si ce que vous aviez dit n'était pas vrai. Donc moi, je suis chrétien. Et je prépare les gens à la seconde venue de Christ, surtout ceux qui croient à mon ministère, je leur dis d'être un peu sobre, de savoir protéger leur langue. Jésus a dit, avant de parler, tournez la langue 7 fois. Bon, respecter l'autorité, c'est tout à fait normal. En tant que chrétien, on devrait normalement ne même pas critiquer les autorités, mais seulement prier pour les autorités, afin que Dieu les aide. Mais ils ont pris ça de l'autre côté, tout ça là. Toute autorité qui sera dans le pays, moi je le respecterai. J'avais respecté Mobutu. Je suis un vieillard. Quand Mobutu est parti, j'ai respecté celui qui était venu. Et aujourd'hui, je respecte le président actuel. Et les autorités, ce n'est pas seulement lui. Il y a aussi ceux qui gouvernent avec lui. Nous devons respecter les autorités. L'église, sa place, c'est au milieu du village. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Et conseiller aux autorités, s'ils nous demandaient cela. Mais une église qui devient comme... Comment on les appelle là? Un parti politique, les parlementaires. Parlementaires debout. Je dirais, en tout cas, calmez-vous. Notre travail, c'est de prêcher l'évangile. Une église qui devient un parti politique. Ça n'existe pas, ça. C'est ça. Ce n'est pas normal. Nous sommes une église. Mon église s'appelle Barouti Tabernacle. Tout le pays n'est pas mon église. Ok, pasteur, je crois que vous avez fixé les choses. Parlons-en maintenant de votre voyage d'évangélisation. Vous êtes allé en Europe, en Amérique, vous avez évangélisé, vous êtes revenu. Qu'est-ce que vous pouvez garder en 2 ou 3 mots, les souvenirs que vous garderez longtemps après avoir tout oublié? C'est lequel? Je dirais ceci. Le prophète William Branham a dit que l'Afrique
doit évangéliser l'Amérique du Nord. Et je pense que cette écriture s'est accomplie. Je suis l'une des personnes par qui l'écriture s'est accomplie. Clairement, par qui cette écriture est accomplie. Si vous dites non, alors vous n'avez pas des yeux. Et j'ai été en Europe, en Suisse j'ai prêché en Belgique, j'ai prêché partout en Europe, en France. Quel bonheur. Donc, surtout aux États-Unis, au Canada. Non, miracle après miracle, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Et Dieu, dans la campagne de Dallas, aux États-Unis, au Texas, a guéri beaucoup de gens, c'est bien. Mais il a fait encore l'opération sans cicatrice. Encore comme à l'Odja. Comme à l'Odja. Ah bon? Ça? Ça reste dans mon cœur. Donc je marche avec Jésus. La femme avait, cette sœur-là, avait un problème d'hernie discale. 4 vertèbres ou 5 étaient abîmées. Et la nuit, après ma prière à la campagne, la nuit, il voit un blanc, un docteur blanc. Ah bon? Ah oui, qui la renverse, qui l'opère. Le docteur est parti encore prendre d'autres histoires. Il est revenu pour ouvrir encore le dos. Ah bon? Quand il a terminé l'opération, il dit c'est terminé, tu es guéri. Oh. Et la femme s'est réveillée complètement en bonne santé. Le matin en bonne santé. Oui. On a amené un enfant de presque 13 ans, un garçon, qui était borgneux. Est-ce que tu vois? Non. J'ai mis ma main, j'ai dit, est-ce que tu vois? Oui. Comment se passer les juifs? Ce blanc-là qui était venu sur la chaise roulante. Cette fois-ci, ce sont les blancs. Hein? Des blancs. Parce qu'on ne dira pas que le pasteur a soudoyé un peu d'argent pour donner un faux témoignage. Non. Un blanc. Sur la chaise roulante, avec les poumons bloqués. Aucun médecin ne pouvait le guérir. Il était sur son lit. Donc même pour le mettre sur la chaise roulante, c'est difficile. Il faisait tout sur le lit. Et on attendait sa mort. Mais vous l'avez vu, debout, avec son histoire, son appareil, qui l'aidait à respirer. Il faisait la gymnastique. Et blanc. Alors, il faut voir les gens qui étaient guéris après lui. En grand nombre, je suis descendu au milieu d'eux. Tous presque des blancs. Complètement guéris. Et là où j'ai dit, Seigneur, moi la maman Ongala, ou la maman Denis, ce que tu avais dit, Seigneur, tu l'as accompli. Je t'ai donné 3 clés. Justement, pasteur, parce que... Quand Dieu vous a donné votre commission, il vous a donné 3 clés. 3 clés. Et la première clé, il a dit, tu es prédicateur et tu prêcheras dans le monde entier. Tu prêcheras l'évangile dans le monde entier. Est-ce que ce voyage cadre avec cette vision-là, avec ça, votre commission? Parfaitement. Ah bon? Parfaitement. Donc cette prophétie-là, c'est ma commission. La commission est réalisée. Oui. Vous faites le travail selon la volonté de Dieu. 75. Heureusement que je l'avais dit. C'était le jour de la Pentecôte. J'avais dit aux gens, voici, j'ai vu, Dieu m'a parlé et je l'ai vu dans une grande lumière dans ma chambre. Il m'a donné 3 clés et il m'a dit, tu es un prédicateur, tu prêcheras l'évangile dans le monde entier. Et les malades, après ta prédication, seront guéris. C'est accompli. C'est accompli. Aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Oui, oui. Les Africains sont allés évangéliser aux États-Unis. Oui. Mais ce qui est à préciser, c'est que cette prophétie s'accomplit dans votre ministère. Y a-t-il encore un rapport ou c'est quoi?
Ça se rapproche toujours de vous. Parce que l'autre fois, vous avez fixé les gens de qui est Baruti. Oui. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que la prophétie de Frère Branham s'accomplit dans votre ministère. Et une fierté humaine d'un homme, ou c'est quoi? Moïse. Mon serviteur est mort. Josué, prends la relève. Tu es serviteur de qui? De Moïse. De Moïse. Oui. Moi, je suis serviteur de Branham. Donc, il lui dit encore, Josué, aujourd'hui, je vais t'élever. Devant le peuple. Devant le peuple. Pour que tu sois élevé, il faut que tu prêches comme Moïse. Oui. Il faut que tu fasses des miracles de Moïse. Il faut que tu parles comme Moïse. Que cette parole ne te quitte pas. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. C'est la même chose, mes frères. Beaucoup manga. C'est seulement la parole qui s'accomplit. Ce n'est même pas vous, c'est Dieu. Oui. Il vous utilise comme ça. Vous allez entrer maintenant, comme Moïse l'a fait avec la mer rouge, vous entrez dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Ils étaient entrés dans le Jourdain. C'est qu'il était élevé. Élevé. Il faut avoir les yeux pour voir comment Jésus pouvait parler. Soleil, arrête-toi sur Gabaron. C'est arrêté. Soleil s'est arrêté. Il avait quelque chose. Et Dieu lui avait donné pour faire le travail que Moïse devrait faire et que Moïse n'avait pas fait. Jésus a continué. Donné aux enfants d'Israël. Et quand Dieu vous appelle, Dieu vous envoie au stade Tata Raphaël, oui, devant près de 100 000 personnes. Oui. Et Dieu agit puissamment. Oui. Je pense, et même Dallas, Denver, partout ailleurs, oui, je crois que Dieu élève le pasteur Baruti. Moi, je le crois aussi. Pourquoi? Pour que je donne la foi. C'est avant l'enlèvement, nous devons avoir la foi. Si on n'a même pas la foi pour la guérison divine, comment est-ce que nous aurons la foi de l'enlèvement? Ça, c'est ainsi dit William Branham. Donc il faut que quelqu'un soit là pour vous montrer que Jésus est vivant. Croyez simplement et vous voyez les miracles. Et ça va aussi venir sur vous. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous avez vu ça d'abord, vous le verrez aussi. Quand je dis que le pasteur Baruti, Dieu l'a élevé, les gens risquent de croire autrement. Précisez un peu, pasteur. C'est-à-dire, Dieu a élevé Josué devant le peuple qui doutait de lui. Oui. Et Dieu a montré que c'est lui qui avait choisi Josué. Oui. Et vous, devant 100 000 personnes, et d'ailleurs le monde entier a vu les images, Dieu vous a élevé. Quel équivoque vous pouvez élever là-bas? Les gens risquent de croire que Baruti veut se glorifier parce que Dieu agit comme ça. Vous ne voyez pas? Bon, il y a toujours des docteurs coréens admirables. Oui, voilà. Qui étaient aussi des personnes très élevées. Qui étaient aussi des prédicateurs. Des prédicateurs. Dans le message de Moïse. Et qui venaient des. Ils étaient des chefs de tribu. ils voulaient montrer qu'eux aussi, voilà, sont quelque chose. Mais Dieu a élevé Moïse. Moïse était un petit dieu pour frapper Pharaon avec tous ces fléaux que l'Égypte a subi. En tout cas, c'était une grande élévation pour ouvrir la mer rouge. À moins d'être aveugle, Nathan Corée avait peur de traverser. Mais ils sont passés comme sur un boulevard. Et aujourd'hui, il y a aussi des datants, Corée et Abiram. Les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Ils peuvent dire, nous aussi, nous avons le même message. Qu'est-ce qu'ils pensent? C'est ça la question. Moi j'ai pensé. C'est ça la question. C'est là, aller régler la question. Non, il y a toujours des datants, Corée et Abiram. Les esprits sont là, pasteur. Ils sont là. Mais Dieu a élevé quelqu'un. Et les gens ont vu.
De quel côté Dieu se trouve. Dieu se trouve. Ils doivent s'arrêter et comprendre cela. Et se mettre derrière la personne. Exactement. Et justement, pasteur, quand vous avez prêché sur le merveilleux auxiliaire, ça a créé une agitation au milieu des gens du message. De ceux qui croient au message, il y a eu beaucoup d'agitation. Oui. Mais maintenant, je crois que la chose se précise. Maintenant, Dieu montre de quel côté il se trouve et qui fait réellement le travail. Parce que vous le faites comme frère Branham. Et je pense que maintenant, même s'il y a encore Dathan et Corée, mais ils doivent savoir qu'il y a quelque chose dans cet homme-là. Vous ne pensez pas comme ça? Oui, mais vieux auxiliaire. Avant moi, personne n'a prêché ça. Personne n'en a parlé. Mais ça se trouve dans le message. Dans le message. Oh mais non, il n'est pas mauvais auxiliaire. Et puis après, ils finiront par l'accepter. Mais puisque c'est au pluriel, ils ont dit nous aussi. Nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans, ok. Mais il parle de quelqu'un quand il va mourir, qui prendra le même message et qui va répandre ça dans le monde entier. Croyez dans cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Alors là, avec tous les miracles qui se font, la bouche de critique est fermée. Cette citation-là, de l'Esprit de vérité, paragraphe 20. Mon Dieu, c'est clair. Frère Branham parle d'une personne. Ça parle d'une personne. Quand je rentrerai à la maison, quelqu'un d'autre prendra ce message. Et il dit clairement, accrochez-vous-y. Croyez en lui. S'il reste dans le message, vous êtes obligé de vous accrocher à cette personne. Mais si vous apprenez, pasteur, que quelqu'un aussi dans le message, dans votre milieu, remplit le stade et qu'il dise que cette écriture s'accomplit sur moi aussi, vous ne trouvez pas que le pasteur Barou, tu sais, prenez lui seul, mais voilà, aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre. Il ne peut pas y avoir deux. Ah bon? Il y avait deux Moïse. Non, non. Il y avait deux Josué. Non, non. Il y avait deux Élisée. Non. Il ne peut pas y avoir deux. Il est où? D'ailleurs, on le voit. Personne n'a cet acabit-là. On le voit. Il est où? On le voit. On a baptisé des blancs. À Dallas. Quand on était à Dallas, il y a eu l'alarme. Les policiers sont venus. Blancs. Sortez, sortez. Non, moi j'ai dit on ne sort pas. Qu'est-ce qu'il y avait? L'alarme. Ça signifie que... Qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La maison peut brûler ou il y a... Il y a des... Comment on les appelle là? Il y a un incendie. Ceux qui font viennent avec des bombes et tout ça. L'alarme. J'ai dit non, on ne sort pas. Le policier était là. J'ai dit prions. J'ai dit Seigneur, je ne suis pas venu ici moi-même. C'est ta main qui m'a amené ici à Dallas. Que cette alarme s'arrête. Paf. Et ce policier là est entré là avec son revolver. Vous pouvez continuer. C'est une bonne chose parce que vous savez, quand vous parlez, vous donnez de la foi à nos téléspectateurs. Vous devez avoir la foi. Ils doivent vraiment élever leur foi. Jésus est vivant. Voilà. Amen. Mais vous avez remarqué, pasteur, que quand vous avez fait le tour, en Europe, c'est comme si on a aussi besoin des serviteurs, des vrais serviteurs de Dieu en Europe. Mais oui, parce que la chose qui manque là-bas, c'est l'onction. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Il faut que les serviteurs de Dieu communiquent le baptême du Saint-Esprit. Et communiquent quoi? Je ne sais pas. Les citations, non? Citation. Non, là ça ne va pas. C'est bien. La mécanique est bonne. Mais il faut que la voiture roule. Et pour rouler, il faut la dynamique. Il faut la dynamique. Et nous avons remarqué ça. Dans certaines églises. Mais la dynamique va être là. Parce que je suis passé par là. Ah bon? J'ai la mécanique, je dis la parole révélée. Et la dynamique, qui signifie quoi? L'onction. L'onction, c'est ça. Oui, mais pasteur, tel que vous le dites là, nous, en visionnant les images de votre périple héros américain, nous avons remarqué que c'est la chose qui manquait dans l'église. Vous êtes en train de prêcher, l'onction est d'un seul côté. L'onction est vers vous,
L'Église est quelque peu froide. Ce n'est pas comme Baruti Tabernacle, où l'onction se communique et il y a mouvement. Mais vous l'avez remarqué. Vous-même, vous avez remarqué. Oui. Vous m'avez même donné un interprète. Comment on peut dire ça? Qui balbutie là? Quand je dis Jésus, je dis je. On a attrapé une femme en grand. En flagrant délit d'adultère. Man hat ihn beschuldigt für. Er sah eine Frau, die. En flagrant délit d'adultère. Démon de cirrhose de foi. Démon de leber. Au nom de Jésus-Christ, sors dans le corps. J'ai gardé l'onction. Et l'onction était avec moi. Et les gens étaient guéris. Vous avez vu les deux blancs là. Complètement guéris. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils étaient étonnés. Et ils viennent. Voilà, le mot sort de vous. Ils viennent étonnés. Hein, ils n'entrent pas dans la chose. Ils n'entrent pas dans l'onction. On vous voit vous-même sous onction. Et l'Église est. Comme même aux États-Unis, on a vu ça même aux États-Unis. Il faut observer, il faut croire. Il faut croire pour recevoir quelque chose de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Mais eux, ils étaient comme des observateurs. Ils venaient voir qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu as un problème? Non, depuis que je suis né, ma main ici ne bouge pas. Je dis, lève la main. Et il était étonné. On a vu. Là, tout ici, brisé. Par un accident d'auto. La médecine a essayé, mais c'était pratiquement resté. Ça ne bougeait pas. Et, allez, lève aussi cette main. Il ne voulait pas. Il ne pouvait pas. J'ai pris ça. Et ça a bougé. Il a crié. Ah! J'ai dit, fais ça toi-même, vous. Ah! C'est comme ça? Un blanc allemand. Je n'étais pas ici à Manhattan. Oui, mais parce que c'est vrai, pasteur, parce que quand vous êtes descendu de l'aéroport, c'est en Allemagne. Il y a un enfant qui est venu de l'Europe de soins médicaux et qui s'est, il est guéri comme ça. Complètement. Il a dit à sa maman que je veux voir cet homme-là. Pourquoi il a donné le témoignage? C'est la foi. C'est la foi. Oh, que Dieu soit loué. Oui, pasteur, avec donc cette onction. La femme qui avait touché Jésus. La robe. Avec cette onction-là, pasteur, vous arrivez à Kinshasa, les peuples de Dieu vous accueillent. Comment vous sentez ça? C'est comme un homme qui amène la coupe et tout le village est dans la coupe. Vous sentez ça? C'est comme un homme qui amène la coupe et tout le village est dans la joie. Vous avez vu comment les enfants de Dieu vous ont vu le côté dehors. Ils ne savaient pas là où ils partaient. Ils sont sortis comme se chantant dans l'euphorie. Voilà. C'est exactement ce qui s'est produit quand je suis arrivé. La coupe était visible. Des fois, moi je prêche là-bas d'un verre, vous suivez ici. Oui. En direct, oui, ouais. À la RTVA. La RTVA a fait un grand travail. Le pasteur Baruti, c'est un très bon pasteur.
Nous sommes heureux de vous, pasteur, parce que vous êtes notre fierté. La fierté. Tout à fait. Tout à fait. Et maintenant, il y a les enseignements sur le Saint-Esprit qui vous attend. Qu'est-ce que vous dites? Je dirais ceci. Demain déjà, donc le mercredi, nous commençons la fête. Ah bon? Ne manquez pas, protestants, catholiques. En fait, qui ça c'est ton dit l'église à message. Mais quand il y a quelque kuna babandi enseignement sur le Saint-Esprit, bazo t'a la ligne à prier. Mais kaka yo muto salaka. Et là qu'est-ce que c'est, pasteur? C'est la preuve qu'ils n'en ont pas. Ah bon? C'est le bon dans l'ingala. Parce que je veux que biso a pétoyé bango bié. Et ça quand ils étaient baza ko banga. Pour ba mususu ba comme ba musoir. Poa. La lobie. Poa. Ah ko kate. Azote ote ote. Bada bazo zela. Et là, que ça l'invite. Oya ko beta ma pamba. Baza ko banga. Au côté de cet esprit, côté ils allent facile. Jésus a le maquillé. On a besoin de ça, ils ont facile. Mais si vous voulez que vous avez besoin de ça, difficile. Lève-toi. Et marche. Oui, pasteur. Bango, et le quoi, nous avons zanga pour battre sur l'enseignement sur le Saint-Esprit. Pour ce qu'on a, il ne faut pas bon de la pône à battre. La peur. Mais ça, on parle. Et on a ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit trouve dans ma théâme? Oui. Bazar, pourquoi vous sortez? Ils n'ont pas brochu. Ils n'ont pas brochu. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Ils n'ont pas brochu. Puis la Bible n'est pas commis. Comment recevoir le Saint-Esprit? Ils ont la Bible. Peut-être le Kindeki, il a imposé les mains. Kuna, il va dire que vous avez causé là. Mais ça m'arrive. Pas ceux qui m'ont dit pour ça. C'est ça. Ceux qui vous ont écouté. C'est la nuit. Kobanga. Comme Frère Branham m'a dit, Frère Branham m'a dit. Dès que nous avons reçu l'évangile, le message, c'est déjà le baptême du Saint-Esprit. Oh, mais pourquoi il a prêché qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi il a imposé les gens? Il a imposé les mains aux gens. Donc, c'est Kobanga. J'ai pas que j'ai répondu. Oui, oui. Bon, Gosiko. Alors, on revient maintenant parce que là, je voulais qu'on précise pour Bandekuba Yoka. Maintenant, alors, vous commencez les enseignements sur le Saint-Esprit. Ouais. Vous avez quel pressentiment déjà? Et c'est bon. Pour moi, c'est la fête. Parce que la fête, c'était pas quand Jésus était venu. La fête, c'est la finalité. Le jour de la Pentecôte. Tout ce que Jésus avait fait comme travail a eu son diplôme, son apogée. C'est ça. Le point le plus culminant. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Moi, j'ai fini le travail. Mais attendez ce que Dieu avait promis. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et les enseignements commencent mercredi. Oui, c'est la fête. Mercredi. Dieu voulant, je prêcherai demain donc. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et le jeudi, n'attendez pas vendredi. Venez nombreux aussi le jeudi. Parce que nous entrons dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que nous puissions manifester Dieu continuellement. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que nous puissions avoir la chose. C'est là que les gens. Donnez-moi un million, je refuse. Si je n'ai pas la chose. Si on met le Saint-Esprit ici, 10 milliards ici, je préfère le Saint-Esprit. Tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose qui satisfait totalement le cœur du croyant. Parce que quand il a le Saint-Esprit, il a la vie éternelle. Il verra Dieu. Il vivra éternellement. Mais quand on a des milliards, ça va s'épuiser. Un jour, on est obligé de les laisser. Si on ne mange pas ça, si on ne dépense pas les milliards, ça va rester. Quelqu'un d'autre va dépenser ça. Parce que nous sommes poussière. Nous retournons dans la poussière. Mais le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu en vous. Vous imposez les mains. Comment pouvez-vous imposer les mains pour que les malades guérissent? C'est quand vous avez le Saint-Esprit. Il y a les dons à l'intérieur. Dons de guérison aussi à l'intérieur.
parler en langue à l'intérieur. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Ah, des visions à l'intérieur. Mais alors là, ça devient contradictoire. Mais comment les gens, vos frères dans le message, ah, les pasteurs de Baruta Zakaranadon, mais ça, c'est que vous dites là, c'est ça le message, non? Écoutez, le don, c'est Dieu. Ah bon? Ah, Frère Balam dit le don, c'est Dieu. Donc, ce Balamé qui est passé de Baruta Zakaranadon, il a Dieu. Alors? Donc, moi je me déplace et Dieu entre. Et Dieu se manifeste. C'est ça. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Jésus. Et quand je termine mes prédications, je dis, qui a vu Jésus ici? C'est tout le monde. C'est moi, je ne peux pas guérir. Je ne vais pas ouvrir les yeux des aveugles. Une femme avec un bassin complètement broyé dans un accident, sur une chaise roulante, qui va se mettre debout, je ne l'avais même pas connue. Elle a quitté la chaise roulante. Quand je dis, ceux qui sont sur les chaises roulantes, levez-vous. Et c'est levé. Elle a marché. Vous avez vu le stade. Mais je vais vous poser la question comme les pharisiens. Oui. Avec quelle autorité vous demandez aux gens de se lever comme ça? Ils se lèvent. C'est l'autorité divine. C'est Dieu. Ah bon? Qui parle directement. Si c'est un homme, c'est pas. Oh non, non, un homme. Il dit, salut, arrête-toi sur Gabao, zéro. Rien n'arrivera. Parce qu'il parle comme un homme. Il faut que Dieu entre dans Josué. Pour dire, soleil, arrête-toi. C'est Dieu. C'est l'autorité divine. Sous l'onction. Et je sais que je suis sous l'onction. Pourquoi? Mais ça, c'est clair. Tous les serviteurs de Dieu le savent. Si l'onction est sur toi, tu sens ça. Tu dois le sentir. Sur ta tête. Comme un feu, là. Qui brûle sur ta tête. Le halo. Oui, pasteur, nous sommes heureux, mais qu'est-ce que vous promettez aux gens? Parce que les gens viendront nombreux, oui. Les gens vous écoutent, oui. Les gens attendent ces jours-là. Les jours où vous imposerez les mains. D'ailleurs, le coup de fil commence à venir, les gens vont voyager, ils vont venir. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils verront. Et ils vont expérimenter. Ils sentiront. Bakoyoka. Ça serait un peu différent par rapport à ce que vous avez connu en voyage. Ici, parce qu'ici, Baruta et Tabernacle, il y a la connexion. Ça sera plus. Ça sera plus, hein? Plus. Plus, ils sentiront. Dieu dans leur corps. Ils vont rouler par terre. Ils vont crier de joie. Ils vont parler en langue. Ils auront la mauve au nez. Ils vont chanter pour Jésus. Ah, dans les rues. Je suis allé aux maisons. Comme s'ils sortaient des matchs où ils ont gagné. Ils seront ivres du Saint-Esprit. Mais à vous voir parler de Jésus, vous êtes toujours dans la joie, pasteur. Oui. Qu'est-ce qui justifie ça? Donc c'est comme quelqu'un, quand il parle de Jésus, il est déjà dans l'extase. Ah oui. Qu'est-ce qui justifie ça? Jésus. D'abord. C'est le Seigneur, le Seigneur. J'étais rien du tout. Je n'ai même pas terminé à l'université le droit que j'avais commencé. Mais Jésus m'a pris et Jésus m'a élevé. Comment ne pas l'aimer? Il m'a aimé le premier. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a donné un don. Je dois l'aimer. Avec ce don, tout le monde voit que Dieu est avec moi. Comment ne pas l'aimer? Quelqu'un qui n'a pas de don, il n'a rien. Il n'a rien. C'est pour cela que j'aime Jésus. Ah, mais c'est pourquoi on vous appelle docteur Jésus. On vous taxe même d'être le docteur Jésus lui-même. Ils n'ont pas, ils ne sont pas loin de la vérité. Ah bon? Parce que quand vous manifestez Dieu, les gens ne voient pas Jésus. On vous voit vous. Ils ne voient moi. Mais le véritable docteur est invisible, c'est Jésus. C'est le Dieu créateur. Et il travaille avec quelqu'un. Il travaille avec moi. Il peut créer un organe, même si c'est détruit. C'est lui qui a fait l'homme. Il peut créer un organe pour le guérir et remplacer. À vous entendre parler, pasteur, vous donnez de l'assurance aux gens. Les gens risquent de remplir. Votre église est déjà trop pleine et les gens sont dehors. Vous ne voyez pas ces dangers-là?
Je crois que vous pouviez vous limiter au peu que vous avez. Il y a un danger, c'est vrai. Mm. Moi, je préférerais me mettre dans ce danger-là, être dehors. Mais c'est moi, cet esprit, et rouler dans la boue s'il y avait la pluie. Ah bon? Et c'est tellement important. Mm. Le Saint-Esprit est tellement important. Mm-hmm. Que le monde entier vienne. Mm-hmm. Place ou pas place, venez. Vienne d'abord, sur place, on verra. Surtout nos amis pentecôtistes, je vous veux là-bas. Nos amis de réveil, venez. Venez recevez le réveil, le vrai réveil. C'est le Saint-Esprit qui réveille nos âmes et qui brûle comme une bougie dans le cœur. Le feu divin. Dans mon cœur, j'ai fait cette expérience. Ah bon? C'est pour ça que j'en parle. Ok. Pasteur, vous avez tellement élevé les gens et juste un ou deux témoignages pour que vous priez pour les gens qui nous suivent. Je dirais ceci. Quelqu'un était venu me voir. Il a dit, j'ai été partout, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Pasteur Barou, tu peux prier pour moi? Je veux le Saint-Esprit. Un monsieur de presque 30 ans. Tu lui dis, mais c'est facile, moi je l'ai. Mmh. Et la Bible dit que Pierre est allé, il a imposé les mains. Allez, mets-toi à genoux ici. Je lui ai imposé les mains. Il a crié, il a parlé en langue, il a roulé dans mon... chez moi, là où se trouve Carlos aujourd'hui, le passé Carlos. Ah bon? Ici, là, et c'était ici. Ah, Maman Boutou. Maman Boutou. C'était merveilleux. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il a reçu. Pourquoi? C'est parce que je l'ai. Quelqu'un qui ne l'a pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, attendez, vous recevrez chez vous à la maison. Quand vous rentrerez chez mes faisans, ou même en songe, parce que quelques-uns disent qu'ils ont vu ça en songe. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu m'aimes, toute la nuit, j'ai prié. Dis à ce frère-là. Joseph Coleman. Que je suis plein feu. Parce que la confession s'arrête demain. Que je suis bon pour les servir. Ou alors je reste ici aux États-Unis. Et le dimanche, c'était le samedi, le matin, je sens comme une bougie. Quel bonheur! Une bougie dans mon cœur. Je sais que mon cœur se trouve là. Et la bougie est allumée là, à l'intérieur. Alors que j'avais déjà l'expérience du baptême du Saint-Esprit, je suis allé là-bas. Le frère qui avait déjà commencé et qui avait ouvert la Bible, a commencé à lire la Bible, il me voit, il dit, il y avait des milliers de gens là-bas. Il est descendu pour me dire, Dieu m'a dit que tu es plein feu et bon pour le service. Quelle expérience! Quelle expérience! J'écoutais la parole là-bas, mais le feu était à l'intérieur. Il faut que vous sentiez quelque chose qui vous prouve que quelque chose s'est passé. C'est comme une femme enceinte. Vous allez lui dire, mais tu as déjà... Mais non. Pour que cette femme-là sache qu'il a enfanté, il faut que quelque chose se passe. Aïe, aïe, et puis l'enfant sort. Personne ne lui dirait que tu viens d'avoir un homme. Il ne m'a pas posé la question. Comment il est? Amène-moi mon bébé. Moi, je me suis posé des questions. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi seulement moi? Qui suis Seigneur? Et tout le temps, je pars prier. Quelques minutes, je pars prier. C'est comme un enfant qui vient de naître. Tout le temps, le lait. C'est le Saint-Esprit qui débat. Alors vous allez à la prière tout le temps, tout le temps. Et après vous devenez adulte. Adopté, c'est différent. Prêt pour le travail. Je crois ceci. Tous peuvent recevoir le Saint-Esprit. S'ils sont prédestinés à le recevoir. S'ils sont des enfants de Dieu que Dieu a connus avant la fondation du monde. Je crois que vous priez. Celui qui prie au nom de Jésus, moi je l'appelle mon frère. Venez. Et vous recevez. Je suis tellement sûr. Je n'ai même ce jour ici. J'ai ma soeur ici qui vient du Cameroun. Elle n'a pas mangé aujourd'hui. Elle a dit, moi je veux jeûner. J'aurai le Saint-Esprit.
Moi, pour avoir cette émission, j'ai jeûné 3 jours. Dans un bébala. Je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé 3 jours. Et le dernier jour là, mon Dieu, quel bonheur. Mmh. Une force est venue dans mon corps. Alléluia. Et mon esprit, je ne savais plus le contrôler. Et je parlais à là. J'ai sauté. Oh Jésus, quelque chose s'est passé. Mmh. Donc je sais que quelque chose s'était passé. Mmh. Donc préparez-vous sérieusement. Arrangez vos vies. Demandez pardon à toutes ces personnes-là. Quand vous pensez que vous avez blessé quelqu'un, kende ko sengaye pardon. Bongi sa na batonyoso. Il y a un ciel à gagner et l'enfer à éviter. Alors pasteur, si vous pouvez prier. Prions. Dieu notre Père céleste, tu es un Dieu bon. Ta bonté, c'est que tu avais envoyé ton fils et il est mort à la croix pour nous. Et il a dit, tout est accompli. Nous le croyons. Et quand il est parti, le Saint-Esprit était revenu à la Pentecôte. C'était ça, Seigneur, le résultat de ce grand travail qu'il avait fait quand il était monté à Golgotha. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne dans notre Église, que nous puissions fêter, que toute personne qui veut recevoir le Saint-Esprit puisse le recevoir. Accorde-nous, Seigneur, une semaine bénie. Et que tu sois présent dans Baruch Tabernacle. Et que beaucoup viennent, Seigneur. Et que tous ceux qui sont venus pour le recevoir, qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ. Recevoir le Saint-Esprit. Que leur vie soit changée. Je te remercie d'avance. Je sais que ça sera une grande fête, une grande bénédiction. Et que le feu descendra dans Baruch Tabernacle pour baptiser les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, le véritable Saint-Esprit. Nous te remercions, nous te le demandons, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très heureux de vous avoir écouté. C'est le résultat d'un voyage heureux, comme les Français disent, heureux, le pasteur Baruch qui a fait un bon voyage. Vous qui restez à Kinshasa en tournant en rond, vous tournez en rond sans rien faire. Voilà le travail d'un bon serviteur de Dieu. Au lieu de profiter des occasions pour vilipender le pasteur Baruch, faites le travail que Dieu vous a demandé de faire. Ainsi, nous avons terminé cette émission. Nous allons remercier le pasteur Baruch qui a accepté notre invitation. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Amen, qui vous bénisse. Nous sommes très heureux, pasteur. Je pense que prochainement, vous allez revenir et parler à ce grand peuple qui aime bien vous écouter. Jean-Marc, je te le promets. Merci, je pasteur. Je suis toujours avec vous et très content de passer l'émission avec vous, parce que je sais que ça aide beaucoup de gens. Oui, oui. Alors, au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. À part ce temps.